On tourne la page. Ve'omer, Moshe ve'Aaron bechuanav ushmuel bekore shemo, korim el Hashem ve'hu ya'alem. On parle du pasouk dans Tehilim, tzadik tef, pasouk vav, qui dit Moshe Aaron avec les Kohanim et Shmuel, qui ont appelé à Kadosh Baruch Hu, et Hashem les a répondu. Donc on voit que Shmuel Anavi, il est au même niveau que Moshe et Aaron réunis. Shakal akatouv shlosha kale olam. Le pasouk, il a mis au même niveau les moins forts des dirigeants d'Israël, c'est-à-dire Yerubaal, Bedan et Iftar, donc ça veut dire Gidon, Shimshon et Iftar, qui shlosha hamure olam, comme les trois plus forts dirigeants de Klal Israël, qui sont Moshe, Aaron et Shmuel. L'Omarla, pour te dire. Yerubaal, Bedoro, ke Moshe, Bedoro. Yerubaal, à son époque, il était aussi important que Moshe Rabbeinu à son époque. Bedan, Bedoro, ke Aaron, Bedoro. Bedan, donc ce Shimshon, il était à son époque comme Aaron. Iftar Bedoro qui Shmuel Bedoro. Et Iftar, il a dit, il était comme Shmuel Bedoro à son époque. Léla mettra pour t'apprendre. Shafilou Kal Shebakalin, même le plus léger parmi les dirigeants du clan d'Israël, Venitmana Parnas Alatibo, et il a été nommé dirigeant sur la communauté, Areou Keabir Sheba Abirin. Il est comme le plus important des importants. Comme Moshe Aaron et Shmuel qui sont les plus importants des dirigeants du clan d'Israël. Donc personne ne peut dire sur le Dayan de son époque, ah celui-là il n'est pas au niveau de Moshe Aaron, vous n'avez pas besoin de l'écouter. Ve Omer, et comme c'est écrit, ou bataille à Kohanim Albim, ve la chauffette à Cherie, Dayanimahem. C'est écrit dans le Pasouk, dans Devarim, clairement, lorsque tu as un problème, tu dois aller voir les Kohanim et les Lévim et le juge qui aura à cette époque. Tu ne vas pas dire, Vechita ale al datera chez Adam olech etzel Adan chez Loayam et Yamav. Est-ce que tu pourrais penser que quelqu'un va aller voir le Dayan qui est plus de sa génération? D'accord? De là, on t'apprend que tu dois aller chez le juge de ton époque. Et tu ne dois pas dire, non, je préfère écouter ce que un juge de ma génération précédente avait tranché. Non. Ve Omer. Et c'est écrit aussi dans Kohelet, Regzain Tatsuk Yud. Al tomar me haya she hayami marishonim ayustovi me ele. Kilo me chokma shalta etze. Celui qui va dire, ah, les anciennes époques, c'était mieux qu'aujourd'hui. C'est pas la chokma qui dit ça. Parce que les anciennes générations, elles étaient adaptées à leur époque. Aujourd'hui, les chachamim qu'on a, ils sont adaptés à notre époque. Et on ne doit pas commencer à les juger par rapport aux anciens chachamim qui étaient plus forts qu'eux. Natal maklo ma'otav beyado. Alors là, Rabbi Yoshua, il a pris son bâton et ses pièces, et il est parti à Yavne chez Rabban Gamliel, le jour où c'était son propre kippoura, Rabbi Yoshua. Tanu Rabbanat, ki van shera'a oto. Chachamim nous enseigne la braïta. Quand Rabban Gamliel a vu Rabbi Yoshua arriver, Amad Mikiso, il s'est levé de sa chaise, Unchako al Rosho, et il l'a embrassé sur sa tête. Amarlo, il lui a dit comme ça, Shalom alecha Rabbi Talmidi, paix sur toi, mon maître et mon élève, Rabbi, Shelimatani Torah Barabim, Rabbi, parce que tu m'as appris la Torah en public, Vetalmidi, mon élève, Shani Gozer alecha Gzera, Vetamekaima Ketalmid, j'ai décrété sur toi une Gzera, et toi tu l'acceptes comme un élève. Ashrei Hador, Shekdolim Nishmaim Laktanim. Heureux soit la génération que les anciens sont écoutés par des petits. C'est-à-dire que même que Rabbi Yoshua était plus grand que Rabban Gamliel, il a écouté parce que c'était le Nasi. Kalvachomer Ktanim Lagdolim. A plus forte raison lorsque les petits écoutent les grands. La Gemara veut comprendre. C'est quoi ce Kalvachomer? Dis-moi, est-ce que les petits doivent écouter les grands parce qu'ils voient des fois les grands écouter les petits? Calva Homer, Kriouvaou, c'est obligatoire que les petits écoutent les grands, quel que soit le comportement des grands par rapport aux petits. C'est vrai qu'il y a des fois des cas où les grands ils acceptent, comme Rabbi Yoshua, il a accepté Rabbi Gamliel qui était plus petit que lui mais qui était le nazi. Mais c'est pas un Calva Homer ça. Les petits doivent écouter les grands parce qu'ils sont obligés. La Gemara nous dit non. Et là, mitor shagdolim nishmarim laktanim, nosim ktanim calva homer be'asma. Il dit non, c'était pour montrer l'exemple. Ça veut dire que même lorsque des enfants voient que des grands acceptent la parole du plus petit parce que c'est le nasi, alors eux ils se font un calva homer pour eux-mêmes. Ils te disent, mais alors nous kol sheken, qu'on doit faire attention à bien écouter ce que les grands nous enseignent. Hadran alar im enan makirin. On a fini donc le premier pérec. On a répondu que c'est Rabbi Akiva qui s'est mis taire. Non, on a ramené une braïta qui nous a montré que c'était Rabbi Yoshua qui était mitzter. Mais Rabbi Akiva, il y avait un tsad de dire qu'il était aussi mitzter parce qu'il avait peur que Rabbi Yoshua n'allait pas écouter la Xéra
de Rabban Gamliel. Alors, donc, ce nouveau Pérec, on parle toujours de du Kiddush HaKhodesh, et on va prendre, donc on doit sanctifier en journée, avec trois Dayanim. Après, on va parler du shofar de Rosh Hashanah, et on va parler de quelle matière le shofar il est. D'accord ? Et quel est son din lorsqu'il se fend, lorsqu'il se casse ? Comment lorsqu'on entend le son du shofar avec l'écho, comment ça marche ? Et les brachot de Tkiyat Shofar. Qui sait qui a le droit aussi d'acquitter l'autre pour la mitzvah du shofar ? Alors la Mishnah est comme ça. Raou Beddin Vekol Israël. Donc là, lorsque le Beddin et tout le Klal Israël ont vu la lune le 30e jour, près de la nuit, près de la Shkia, Nerkeru Aedim, on a interrogé les Aedim, Velo Ispikul Omar Mekudash Hachechachecha, on avait vu ça plus haut, et ils n'ont pas eu le temps de dire Mekudash le Beddin, et la nuit est déjà tombée, la Shkia est déjà tombée. Qu'est-ce qu'on fait ? Areze Merubar. Areze Merubar, ça veut dire que le Rosh Kodesh, il est, c'est le lendemain, on rajoute un jour. D'accord ? Parce que tout est fixé par rapport au moment où on dit Mekoudash. Comme c'était la nuit, et on n'a pas le droit de juger la nuit, donc c'est décalé au lendemain. Une autre halakha, on nous dira « Ou beddin bilvad »« Ya'amdou shnaim ve'ya'idlou bifnehem »« Ve'yomrou Mekoudash Mekoudash » Maintenant, c'est que le beddin de trois dayanim, il n'y a que eux qui ont vu la nouvelle lune. En haut, c'était des témoins qui sont venus témoigner devant le beddin. Là, c'est les dayanim eux-mêmes qui ont vu la nuit. Comment ils vont faire pour se juger ? Il faut qu'il y ait un beddin. Alors ils disent deux des Dayanim vont se lever, ils vont témoigner devant le troisième. Et ensuite, donc ils vont tous se décaler comme ça, jusqu'à, on va dire, Mekoudash, Mekoudash. Voilà. Mais ça veut dire que c'est toujours deux qui témoignent devant un. Raouch, Losha, Vehen, Beddin. Pardon, excusez-moi. Le cas d'avant, c'est le Beddin de 71 Dayanim. Alors là, ça va, il y en a deux qui se lèvent devant les autres Dayanim, mais c'est bon. Mais là, c'est lorsqu'on a un Beddin de trois seulement, et c'est eux qui ont vu. Dans le troisième cas, c'est un petit Beddin de trois Dayanim, et parmi ces trois Dayanim, il y en a deux. Il n'y a personne qui va pouvoir témoigner à part eux. Donc, le premier cas, c'est des témoins. C'est des Beddin qui ne sont pas voilà, le Beddin. Voilà, qui ne sont pas le Beddin. D'accord ? Deuxième cas, c'est un Beddin de 71 Dayanim. D'accord ? Non, le premier cas, c'est les témoins qui sont arrivés, mais le temps qu'on dit Mekoudash, c'était la nuit. En dehors du Beddin, pardon. Okay. Et donc, le deuxième cas, c'est 71 un Beddin de 71 Dayanim. Et parmi ces 71, il y a deux témoins qui ont vu la nouvelle nuit. Ça, c'est facile à comprendre. Mais le troisième cas, c'est trois Dayanim, et c'est eux les témoins. Alors, comment on fait ? Il y a Amdou Ashnaim, Veyoshivu Mechavrehen. Donc, deux, ils vont se lever, ils vont faire asseoir deux autres personnes à leur place qui n'ont pas vu la nouvelle lune, et Tzella Yahid avec le troisième Dayan que lui a vu la nouvelle lune, pour remplir un Beddin de trois. Il y a un Beddin de trois personnes. Deux, ils vont se lever pour témoigner devant le troisième, et on ne peut pas témoigner devant une personne. Donc on va prendre deux personnes, d'accord, qui n'ont pas vu la lune, qui ne sont pas Dayan, mais on va les faire asseoir en tant que Dayan. D'accord ? Ça va faire qu'il y a besoin de trois personnes assises. Voilà, il faut toujours trois personnes assises. Donc les deux Dayanim qui ont vu vont se lever, ils vont témoigner. Veyomru Mekoudash Mekoudash. Et on va dire Mekoudash Mekoudash. Et na yahid neeman alidé atzmo. Parce que si un yahid, il peut pas sanctifier Rosh Chodesh, dire Mekoudash tout seul. Même s'il est super moumré, il faut qu'il y ait trois personnes assises. La Gemara nous dit la malim et les mikuna raou bedin vechol Israël. Pourquoi on a besoin de nous enseigner que le bedin et tout le clan d'Israël ont vu? Pourquoi on ne dit pas que c'est le Beddin qui a vu tout seul et ils n'ont pas eu le temps de dire Mekoudash et que la nuit est tombée? C'est exactement la même halakha, la même conséquence. Si c'est juste pour nous apprendre que quand on a dit Mekoudash la nuit, et ben ça décale tout d'un jour. Pourquoi on nous dit que même tout le clan d'Israël a vu? Alors il te fait rire, on en a besoin. Sal kadata chamina, tu aurais pu dire oui, il verra où Beddin verrol Israël, il parle ses malas. Puisque le Beddin et tout le clan d'Israël l'ont vu, alors ça va se savoir. Velo ibraoua. Et donc on ne peut pas rajouter un jour sur le mois d'avant parce qu'on a dit Mekoudash la nuit. On ne peut pas décaler, tout le monde a vu.
Kamash Malan, non, malgré tout, on préviendra tout le monde qu'on a décalé d'un jour Rosh Chodesh, même que ça a été mis par Sem, parce que tout le monde a vu la nouvelle lune. Alors, si tu me dis que tout le Beddin a vu, et tous les Bnei Israël ont vu la nouvelle lune, pourquoi tu as besoin de me dire qu'on a interrogé les témoins? Mais c'est Vadaï, tout le monde a vu. Arikama, il faut dire comme ça. Inami, donc, ou le Beddin, voilà. Voilà, pourquoi on a besoin d'interroger les témoins? Alors, il faut dire, non. Inami nerkeru aedim. Velo ispikulomar mekudash atshecha shecha arezemumba. Il faut comprendre en fait qu'il y a deux cas. Premier cas, c'est tout le Beddin qui a vu avec les Bnei Israël. D'accord? Deuxième cas, c'est des témoins qui sont arrivés, qu'on a trop tardé à les interroger et que la nuit est tombée. Dans les deux cas, il faut dire mais on bat. Alors on veut. On pose la question. Kevan de Tana, atshecha shecha arezemumba. La malim le mitni chakirat aedim klal. Si tu me dis que ça s'est tombé la nuit. Pourquoi tu as besoin de nous dire qu'on a trop tardé à interroger les témoins? Mais on va comprendre de nous-mêmes qu'il y a eu bien sûr un problème qui a fait qu'on a dit Mekoudash la nuit. Si déjà tout le Beddin, avec le clan Israël, tous, ils ont vu la nouvelle lune, et bien tant qu'ils n'ont pas dit Mekoudash, et bien ils vont devoir décaler d'un jour. Calva Homer, que quand des témoins ils vont venir, et que la lune n'a pas été vue de tout le monde, Kol Sheken qu'il faut les interroger le temps que ça doit prendre. Et si ça tombe la nuit, ben tant pis, on décalera d'un jour. Quel est le chiz? Tu me dis comme ça, on a trop tardé, mais c'est vadaï que si c'est deux cas différents, d'accord, que quand on a tardé à interroger les témoins, c'était un cas où il n'y avait pas tout le monde qui avait vu la nouvelle lune. Alors il y a rien de particulier à nous. On n'a pas besoin de nous préciser qu'on a trop tardé à interroger les témoins. Alors il te dit comme ça. Hystérique, on a besoin. Salkada tachamina, parce que tu aurais pu dire comme ça. Tihve chakirat aedim ki tfilat din. Ve mekudash mekudash ki gmar din. Ve likadche belalia midi de have adine mamonot. Ditnan dine mamonot danin bayom ve gomrim balaila. Achanami mekadchim belalia kamash malan. Parce qu'on aurait pu penser que quoi? Que l'interrogatoire des témoins, d'accord? C'est le début du din, d'accord? Mais or ce din, on a commencé en journée. Le moment où on dit Mekoudash, Mekoudash, c'est vrai que c'est la nuit, mais c'est la fin du din. D'accord? Et donc, on a qu'à sanctifier Rosh Chodesh la nuit, comme si c'était une situation où on avait eu à juger des din et mamonot, un litige d'argent. C'est vrai que le litige d'argent, on ne discute pas de ça la nuit, on ne juge pas la nuit. Mais si on a commencé à juger et que ça a discuté jusqu'à que la nuit est tombée, la nuit on tranche, parce qu'on se fixe par rapport au début du jugement qui a commencé en journée. Alors on voudrait faire pareil avec le Rosh Chodesh et de dire, effectivement les témoins on a tardé à les interroger, mais quand même on a commencé à les interroger alors qu'il faisait jour. Donc, comme on a commencé à les interroger en journée, c'est pas comme si qu'on avait commencé à les interroger la nuit et qu'on dit que là il faut décaler d'un jour le Rosh Chodesh. Non, peut-être que maintenant que la nuit est tombée, on peut dire Mekoudash rétroactivement par rapport à ce qu'on avait commencé à les juger en journée. Et on n'a pas besoin de décaler le Rosh Chodesh d'un jour. Kamash Malan que non. Il ne faut pas comparer à Dine Mamonot. Il faut pouvoir dire Mekoudash, Mekoudash en journée. Si tu as dit la nuit, ça va tout décaler d'un jour. Vehema Achinami. Alors il m'a dit, alors effectivement, peut-être qu'on devrait comparer au Dine Mamonot. Pourquoi notre Mishnah nous dit qu'on doit décaler d'un jour? Amar Gra, parce qu'il y a un pasuk qui nous dit, dans Teilim Perek Pe Alef Pasukhe, qui hok le Israël hu, mishpat le lohe Yaakov. Ça veut dire quoi? La loi que les Bnei Israël y font en Rosh Hashanah, c'est ce qui a été fixé par rapport à leur témoignage sur la nouvelle lune. Mishpat, c'est une loi pour le Dieu de Yaakov. C'est-à-dire, même si Akadosh Baruch Hu avait fixé que Rosh Hashanah il allait être un jour plus tôt, si on n'a pas eu les témoins qu'il fallait, que tout a été décalé d'un jour, eh bien Akadosh Baruch Hu s'adapte au Bnei Israël pour décaler le Rosh Hashanah. Alors c'est le jour où il juge tout le monde, d'accord? Il décale tout par rapport au témoignage de la nouvelle lune sur Terre. Et Mat Havechok, quand c'est que c'est donc une loi, Big Mardin, Vekakare le Rahamana Mishpat. Donc quand c'est une loi, lorsqu'on a tranché, au moment où on dit Mekoudash, et la Torah te dit c'est Mishpat, c'est la loi. Ma Mishpat Bayom, Afachanami Bayom. De même que la Mishpat se fait en journée, alors ici aussi ça doit être en journée. Et ici, tu ne peux pas dire qu'on commence ça veut dire, tu ne peux pas dire qu'on se fixe par rapport au début du jugement, comme pour Dine Mamonot. Parce que nous, ce qui importe ici,
c'est Mekoudash. Quand on dit Mekoudash, c'est là-haut, Akadosh Baruch Hu, il s'adapte. Pas quand on commence à discuter. Or, on a dit Mekoudash la nuit. Donc, pour Akadosh Baruch Hu, c'est au moment où on a dit Mekoudash. Or, on n'a pas le droit de juger la nuit. Donc, il faut décaler tout d'un jour. Nous aussi, on juge le jour. Voilà, et comme on a dit Mekoudash la nuit, ben on doit décaler d'un jour. On ne peut pas se fixer par rapport au moment où on a dit Mekoudash la nuit. Après, la Mishnah nous dit Ra'u Beddin, Ya'amdu Shnaim, Ya'amidu Bifnem. Donc, dans le deuxième cas, c'est le Beddin qui a vu, et il n'y a pas de témoin, à part les Dayanim. On a dit deux Dayanim parmi les 71 se lèvent, et ils font office de témoin. Ve'amai, pourquoi, l'Agma pose la question, mais pourquoi ils ont besoin de deux témoins qui se lèvent? L'Otech Miyak Dola Mireya. C'est pas plus fort le fait d'écouter le témoignage de témoins par rapport à ce que toi-même tu as vu. Or, tous les Dayanim, ils ont vu ici. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de deux témoins qui vont leur raconter? Mais les Dayanim eux-mêmes, ils ont vu. Ce que tu vois, c'est plus fort que ce que tu entends. Ce que tu entends, on te raconte et tu t'imagines, mais quand tu as vu de toi-même, c'est plus fort. Pourquoi on a besoin quand même que deux témoins se lèvent pour parler aux Dayanim alors que tout le monde a vu? Amar Abizira Kegon Shera Uubalaïla. Il dit de quoi on parle ici? On parle que c'était la nuit du 30. Ils ont vu la nuit. Et bien sûr, on ne peut pas sanctifier le soir même. Donc il faut venir le lendemain témoigner. D'accord? Donc, le lendemain, s'ils n'entendent pas un témoignage, ils ne peuvent pas sanctifier Rosh Chodesh. Parce que c'est pas s'ils avaient vu tout vu en journée et que sur le moment ils disent Mekoudash, ok. Mais là on parle de quoi? On parle qu'ils ont tous vu la nouvelle lune, la nuit. Or la nuit, on ne peut pas juger. Donc c'est des Dayanim qui ne peuvent pas juger parce que c'est la nuit. Donc ils sont obligés d'attendre le lendemain pour juger. Maintenant le lendemain, on va faire une séance de quoi? On va se dire hier soir on a tous vu? Non, donc il faut donc deux témoins qui viennent dire hier soir on a vu. On ne peut pas se fixer en sur... Journée, le lendemain. Pourquoi le soir. Hein? Oui, mais d'accord, mais eux... Tu peux avoir le soir. Mais en tout cas, eux, ils ont besoin de venir témoigner sur ce qu'ils ont vu. C'est pas sur... Si encore c'était sur le moment en direct qu'on proclamait Rosh Chodesh, ok, il n'y a pas besoin de témoigner, on est en train de voir tous. Or, le moment où on peut sanctifier Rosh Chodesh, c'est le moment où il n'y a pas la lune, on est en journée. Donc il faut un témoignage. Il faut dire, voilà, on a vu hier soir la lune. Tout le monde parmi les Dayanim, mais il faut des témoins, c'est ça le chidouche. C'est qu'on ne peut pas s'asseoir, faire une séance et dire, alors hier soir on a tous vu la lune, allez, Mekoudash. Non, comme ce n'est pas au moment où on voit, d'accord, c'est vrai que ce qui est plus fort c'est de voir plutôt qu'entendre. Mais c'est lorsque tu peux fixer au moment où tu vois. Or, au moment où tu vois, c'est la nuit, tu ne peux pas fixer. Donc il faut le lendemain des témoins. Alors, donc troisième cas, Raouch Losha Vehen Beddin, Ya'amdu Shnaim Veyoshivu Mechavrem et Tzeliachit. On a dit non, parce que maintenant on n'est plus dans un cas où il y a 71 Dayanim. C'est seulement 3 Dayanim qui ont vu et il n'y a pas de témoin. Alors 2 se lèvent parmi les Dayanim et ils font venir 2 autres de la rue qui vont s'asseoir en tant que Dayan. Amai, l'agma a dit, Achanamin et Malotech Miagdola Mereya. Ici aussi on peut dire, le klal, que. Entendre, c'est moins fort que voir. Or, ici, les 3 Dayanim ont vu. Vérité, ma achinami kegon shera ou balaila. Et si tu viens de dire, on est dans le même cas qu'avant, qu'en fait, les 3 Dayanim, ils ont vu la nuit. Et donc, il faut témoigner le lendemain. Aïnouhar. Alors, c'est le même din qu'avant. Qu'est-ce que tu nous as rajouté de plus? L'agmar nous dit, non, c'est faït, c'est richalé. Ce troisième cas, j'en ai besoin, pourquoi? Des en ayahid neeman al yedeatmo. Pour te dire qu'un seul. Il n'est pas Néhéman pour dire Mekoudash. Tu as un Beddin de 3. Tu en as 2 qui se lèvent et qui sont debout devant un seul Dayan. Le Dayan qui est assis tout seul, il ne peut pas dire Mekoudash. Il faut qu'il y ait un Beddin de 3. Des sales Kadata Hamina, parce que tu aurais pu te dire Ruil Vetani a Diné Mamonot Bishlosha. Puisqu'on sait dans la Braïta, dans Sanhedrin d'Abdalet, on sait que Diné Mamonot, lorsqu'on a un litige financier, okay, on peut se suffire d'un Beddin de 3. Alors, Vimayam Mouaché l'Arabim, par contre, si le Dayan était Moumahé, il était expert, il était connu par tout le monde comme un grand expert des dîners mamonotes, Dan Afilou Béahé, tu peux juger même avec un seul Dayan.
Alors tu aurais pu te dire, Achanami, Nikan Shemiyehidi, Kamashma Lamisit aussi, tu peux dire, c'est un Dayan, il est moumré dans toutes les positions de la Lune pour pouvoir témoigner de la nouvelle Lune. Alors si c'est un moumré, tu peux faire Rosh Chodesh selon ce Dayan qui va dire, mais Koudash, Kamashma Lam, que ça marche pas. Il faut trois. Vema Achanami, la Gemara nous dit, et pourquoi pas alors un seul? C'est vrai, s'il est expert, il devrait pouvoir dire tout seul. En lecha mumahe l'arabim beYisrael yoter mi Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas d'expert plus grand parmi le peuple juif que Moshe Rabbeinu. Et pourtant, veka marle malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Moshe, adeika Aharon bahadar. Jusqu'à que Aaron vienne avec toi, tu peux pas sanctifier Rosh Chodesh. Lorsqu'il a Akadosh Baruch Hu, il a donné la première mitzvah Moshe de Rosh Chodesh Hazelachem. Il y a écrit là-bas, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron. Beret Mitzrayim les morts, Achodesh Azelachem. Les deux, c'est pas trois. Donc ça veut dire que quoi? Que. Moshe Aaron. Oui, mais Moshe Aaron, c'est pas un Bethil, puisque deux, ça, il peut pas y avoir de Dayanim. Un, il va dire A, l'autre, il va dire B. Donc il faut minimum trois. Donc on a rajouté une troisième personne. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe et Aaron, Moshe, il a tout de suite compris qu'il fallait un Bethil de trois. Non, on vient de nous démontrer qu'il ne peut pas seul. Voilà. Alors Moshe, il a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas seul. Même Moshe, il peut être deux. Avec Aaron. Or, un Bethil ne peut pas être deux. Alors tu peux dire que Moshe et Aaron, ça marche déjà. Non, ça ne marche pas, justement. Mais ça veut dire, tant que Moshe et Aaron ne sont pas réunis, Akadosh Baruch Hu ne leur a pas parlé. Et lorsque Moshe a compris qu'il fallait qu'ils soient deux, il a dit, ben, si on est minimum deux, on ne peut pas faire un Bethil de deux, il faut que je rajoute un troisième. C'est Moshe qui a rajouté de lui-même le troisième. Les mêmes rats des Aed Nassé Dayan. Donc de là, on apprend que quoi? Que le Aed, il peut être Dayan. Les Mamatnitin, des Loki Rabbi Akiva. Alors la Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Akiva. Des Tanya, Sanhedrin, Sheraou, Echad, Sheharag, et Tanefesh. Lorsqu'il y a un Sanhedrin, et un des Dayanim, il a vu que la personne qui a carrément tué, Miksatan Naasouedin ou Maksatan Naasoudanim. Alors une partie vont être des témoins, puisque deux ont. Tout le Sanhedrin l'a vu Reuven tuer Shimon. Donc une partie va faire office de témoin et une partie va faire office de Dayanim. La moitié. Divrei Rabitachon, ça c'est Rabitachon. Rabbi Akiva Omer, Kulam Naasimedin. Ils seront tous des témoins. V'en Aed Naase Dayan. Et un témoin ne peut pas être Dayan. Donc ça veut dire, il faut aller juger chez un autre Sanhedrin. Et donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Puisque d'après Rabbi Akiva, un témoin ne peut pas être Dayan. Or ici, c'est tous des Dayanis, et pourtant deux des trois, ils vont faire office de témoins. La Gemara te dit, si tout est masculin, je te dis, Rabbi Akiva, ça marche avec vous. Atkan lukam Rabbi Akiva hatam, et la bédine et les fachotes, terahamana amar veshaptu ha'eda, bi'itilu ha'eda. Là-bas, on a un pasouk mepouras pour bédine et les fachotes, lorsqu'il s'agit d'un cas de meurtre, que là-bas, il y a écrit veshaptu ha'eda, l'assemblée va juger, bi'itilu ha'eda, et l'assemblée va sauver. Le Rotear Miyad Goel Adam. Là-bas, on parle du Goel Adam, donc on va l'envoyer en galoute. On parle de quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Mais là, ici, comme ils l'ont vu qu'il a réellement tué de sa propre volonté, donc on ne peut pas nous dire non, c'est pas lui, c'était. Avalacha, donc c'est pour ça qu'on est obligé là-bas d'aller juger chez un autre Bédine. Avalacha, filou Rabbi Akiva Modé. Mais là, ici, même Rabbi Akiva, il sera d'accord que pour le témoignage de la nouvelle lune, on peut prendre deux Dayanim qui vont faire office de témoins, et comme on a dit dans la Mishnah, devant le troisième, on va faire asseoir deux autres personnes.